Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin et je voudrais avant tout commencer par remercier très chaleureusement Monsieur Nishiyama-san et Monsieur Oki-san, mes hôtes et médiateurs attentionnés et bienveillants, grâce à qui je vis ces moments précieux et magiques au Japon. Merci pour leur invitation qui me permet d'être aujourd'hui parmi vous. Et je souhaite encore une fois adresser toutes mes félicitations et redire à M. Nishiyama mon émotion d'avoir pu assister hier à la remise qui lui a été faite de la médaille de chevalier des arts et lettres. Donc, merci beaucoup pour votre invitation. Arigato gozaimashita. Merci, David. Merci. Ça marche? Et avant de commencer mon intervention, est-ce que ça marche? Oui? J'ai pas l'impression. Je vais devoir parler très fort. Oui? Non? J'ai pas l'impression que ça marche, hein. Ah, et là? Oui? Parfait. Donc, avant de commencer mon intervention, que j'aimerais lui dédier, j'aimerais aussi, si vous le permettez, partager une pensée émue pour le professeur Louise Daben qui nous a quittés cette semaine. Professeur Louise Daben était mon professeur, mon maître, ma directrice de thèse et mon amie sincère. Elle était une femme formidable dont le rayonnement et la vision ne cesseront de nous inspirer. Et je ne pouvais pas faire cette présentation ce matin sans partager ce moment avec vous. Donc, cette pensée pour notre professeur Louise Daben, qui a, comme vous le savez, créé le Lee Dilemme, qui a créé La Cédelée, qui est l'auteur d'un livre très important pour nous tous, Repères sociolinguistiques pour l'enseignement des langues, publié en 1994. Donc, pensée émue pour Louise Daben, qui nous a quittés cette semaine. Donc, ma contribution aujourd'hui se propose d'interroger la formation de la compétence plurilingue en milieu universitaire dans une université, la mienne, Simon Fraser University, SFU, au Canada, dont l'emblème que vous voyez est d'engager le monde, engaging the world, où une proportion très importante, dont une université où une proportion très importante de la population étudiante est internationale. Le français, une langue minoritaire, et l'anglais, la langue de l'université. Donc, à partir d'exemples illustratifs de recherches qui sont en cours, je vous propose de questionner d'une part les représentations et les pratiques plurilingues comme ressources pour développer une compétence à l'écrit en contexte universitaire, et discuter aussi, d'autre part, comment l'étude du développement plurilingue réinterroge certaines zones conceptuelles construisant notre champ, notamment autour de notions telles que celles de compétences plurilingues et pluriculturelles, de compétences plurilittéraciées ou bien d'identité plurielle, pour interroger leur potentiel comme instrument et comme ressource pour le changement et la transformation des pratiques et du champ éducatif. Alors, je vais commencer par une présentation rapide de la mobilité étudiante au Canada et en particulier en Colombie-Britannique. Maintenant, vous connaissez le Canada, vous avez vu plusieurs cartes. Vous savez que la Colombie-Britannique est sur la côte ouest. Donc, c'est une province anglophone dans un pays bilingue où la mobilité étudiante constitue un enjeu stratégique de l'éducation dans la province, notamment à l'université, avec une population étudiante internationale qui représente 4% de l'ensemble des étudiants internationaux au niveau mondial. Donc un pourcentage qui est comparable à celui du Japon. La Colombie-Britannique reçoit 28% des étudiants internationaux qui viennent suivre leurs études au Canada. La majorité de ces étudiants internationaux viennent d'Asie et d'autres du Moyen-Orient ainsi que de l'Europe. Alors, la mobilité concerne aussi bien les étudiants qui partent en séjour d'études et qu'il faut préparer au départ,
que ceux qui viennent étudier dans la province, qui sont les étudiants qui nous concernent dans cette présentation aujourd'hui. Donc il s'agit d'un secteur en croissance rapide, 21% en 4 ans, avec un nombre de plus en plus important de jeunes qui passent de l'école secondaire aux études supérieures. C'est-à-dire que les parents envoient leurs enfants étudier en dernière année des études secondaires au Canada ou avant-dernière année des études secondaires, de manière à les préparer mieux à entrer à l'université canadienne. Donc on estime que 4 jeunes étudiants internationaux sur 10 qui terminent l'école secondaire en Colombie-Britannique s'inscrivent à l'université dans la province l'année suivante. Et là, vous voyez une représentation de carte postale de la variété des étudiants qui sont reçus à Vancouver. Alors, l'université voit dans l'éducation internationale des bénéfices d'abord économiques, comme vous pouvez le voir sur le petit tableau du haut, où on voit des chiffres très importants pour l'université, mais on s'intéresse toutefois de plus en plus aux bénéfices sociaux et culturels que constitue pour la province une arrivée importante d'étudiants des régions Asie-Pacifique, dont la Colombie-Britannique est considérée comme la porte d'entrée sociale, the social gateway. La mobilité et la migration reconfigurent ainsi le paysage linguistique et culturel de la province, comme l'illustre la photo que vous voyez en haut et à droite, qui est prise à l'aéroport de Vancouver, et vous voyez pays bilingue, panneau à l'aéroport en 3 langues, les 2 langues officielles et puis le chinois, langue locale. Et puis le dessin en dessous qui mêle le dragon et l'aigle, emblématiques des populations asiatiques et amérindiennes locales. Donc on voit sur ce tableau que la proportion des personnes nées hors Canada, presque 30%, est l'une des plus importantes pour la Colombie-Britannique, juste après l'Ontario. Tandis que la moyenne pour l'ensemble du Canada est d'environ 20%. Alors à Vancouver, le Punjabi et les langues chinoises sont les langues les plus parlées. Il y a un petit mot d'anglais qui s'est glissé, excusez-moi. 40% des personnes qui parlent en famille une autre langue que l'anglais ou le français sont locutrices du cantonais, du mandarin ou d'une autre langue chinoise. Vous voyez, cantonais 16%, langue chinoise non spécifiée 12%, mandarin 12%. Dans le Grand Vancouver, plus d'un million de personnes parlent en famille une langue autre que l'une des 2 langues officielles. Un autre graphe, vous voyez s'allumer une petite étoile et une flèche. Le census canadien de 2006 montre que plus de 56% de la population du Grand Vancouver n'ont ni l'anglais ni le français comme langue maternelle. Donc là où vous voyez la petite étoile se trouve mon université, SFU. Et donc vous voyez que c'est très fortement vert foncé. Et en fait, à Burnaby, où se situe donc l'université Simon Fraser University, ce pourcentage dépasse les 80%. Donc vous voyez l'environnement sociolinguistique dans lequel s'inscrit notre université. L'internationalisation, élément stratégique des politiques de l'enseignement supérieur et la globalisation, ont pour effet un changement important du paysage linguistique de l'université ces dernières années. Les études portant sur les publics universitaires allophones se centrent en général plus particulièrement sur la préparation aux études supérieures, l'analyse des besoins linguistiques et méthodologiques, la formation au discours et savoir-faire académique exigé dans un milieu universitaire particulier, notamment dans les cas de mobilité interuniversitaire ou de migration. Je vous renvoie par exemple aux publications récentes de Bouchard et Caddy 2012, Parpette et Magiante 2010 ou bien Vigné 2012. Vous voyez, représentation, un sphinx à tête de dragon, des reconfigurations linguistiques et culturelles représentées. Donc, comme nous l'avons vu, des travaux qui portent sur un ensemble de questionnements, peu de travaux pourtant
explore les parcours plurilingues des étudiants à l'université ou comment de nouvelles socialisations en langues étrangères liées à la mobilité ou à la migration, conjuguées au déploiement de nouveaux modes et médiums de socialisation, s'articulent au développement de nouvelles compétences à l'université, notamment dans l'acculturation à l'écrit académique, dans les contextes de contact de langue et de plurilinguisme. Dans ce contexte, l'enjeu éducatif qui est le nôtre est à la fois de prendre en compte le plurilinguisme déjà là des populations estudiantines accueillies et de développer d'autres formes de plurilinguisme à l'université. Donc, on va essayer d'éviter le clin d'œil des pingouins où je lis pour la traduction. Apprendre l'anglais, c'est pas sorcier, d'autant qu'il suffit de si peu de mots pour se débrouiller partout. Lesquels? Do you speak French? Donc, pour éviter ce clin d'œil que l'on voit sur la bande dessinée de droite, l'enjeu va donc être de pouvoir développer des compétences plurilingues et pluriculturelles, des compétences plurilittéraciées, et prendre en compte des identités changeantes, fluides et plurielles dans ce nouveau contexte d'enseignement-apprentissage. Donc vous voyez que j'utilise plusieurs néologismes. La notion de compétences plurilingues et pluriculturelles est déjà bien installée, notamment grâce aux travaux du Conseil de l'Europe. La notion de compétences plurilittéraciées l'est peut-être un peu moins. De fait, l'utilisation de notions nouvelles ne doit pas relever de phénomènes de mode, comme Yves Reuter nous en met en garde, mais doit nous permettre de réfléchir autrement les phénomènes observés. La substitution permet de fait de porter une réflexion critique pour changer fondamentalement notre regard sur la façon de réfléchir les liens entre pratique, représentation et contexte. Elles illustrent notamment le déplacement de certaines références classiques de la didactique des langues, où on va considérer que le locuteur a un répertoire unique, et ce répertoire unique va nous permettre de prendre en compte l'ensemble des compétences. Donc on va passer de modèles de référence monolingue à des modèles bi-plurilingues où la vision des rapports entre les langues 1, 2, 3 dans les apprentissages est dynamique. On va aussi s'intéresser aux représentations des langues dans l'apprentissage et considérer l'atout bilingue comme un atout d'appropriation. Donc on va quitter des représentations du polyglotte docte et savant, comme on voit sur la première bande dessinée, qui parle plusieurs langues pour dire « je n'ai rien à dire », et plutôt s'intéresser à des locuteurs dits « ordinaires », comme on le voit sur la deuxième bande dessinée, où on voit un jeune homme qui veut retirer de l'argent à la banque. La machine lui propose de choisir votre langue. « Please select your language ». Il a deux choix, anglais, espagnol. Bon, on voit qu'il réfléchit, il revient bredouille parce qu'il a brûlé sa carte. Pourquoi? Parce qu'il a appuyé sur les deux boutons, parce qu'il est bilingue et que la machine n'est pas prête à accepter qu'on puisse avoir deux langues. Donc, un petit dessin que certains d'entre vous connaissent déjà. Donc, ces perspectives permettent en particulier d'insister sur une vision dynamique de la compétence, conçue au sein d'un répertoire unique. Il s'agit donc d'un modèle qu'on dit holistique, dont on prend en compte le caractère global, intégratif et non segmenté, et où on va s'intéresser aux ponts, aux passages et aux médiations entre les langues. Et j'aime beaucoup le dessin de droite qui a été produit par un enfant en Suisse, qui montre le fonctionnement, d'après lui, du cerveau plurilingue. Et on voit, vous voyez, des espaces qui sont réservés à certaines langues, mais on voit aussi qu'entre ces différents espaces réservés, il y a des trappes avec des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Il y a des escaliers qui permettent de passer d'une langue à l'autre. Il y a même un ascenseur qui permet d'aller plus vite d'une langue à l'autre. Et il y a des petits personnages noirs et rouges, qui sont des contrôleurs et qui vérifient que tout ça se fait de manière harmonieuse. Donc on peut
séparer les langues et on peut passer d'une langue à l'autre, faire des ponts entre les langues selon les besoins pour apprendre et pour communiquer. Et le dessin de gauche, je vous l'ai mis parce que si vous voyez sur le haut de, à droite, on voit qu'il y a un petit peu de japonais dans le répertoire de cet apprenant. Autrement dit, la compétence plurilingue et pluriculturelle se définit comme la capacité qu'un acteur social possède de mobiliser un répertoire de langues et de variétés qu'il maîtrise à différents degrés et de mettre en œuvre ce répertoire en ajustant son potentiel et ses ressources à différents contextes. C'est une définition qui est souvent citée de Coste, Moore et Zarat, publiée d'abord en 1997 comme une étude de référence pour le Conseil de l'Europe, qu'on a remise à jour en 2009. On n'a pas changé le texte initial, qu'on considère comme un texte historique, si on ose, mais on a rajouté une bibliographie et une préface pour expliquer comment les choses ont évolué depuis ce premier effort définitoire à la fin des années 90. Et sur le dessin, vous voyez donc un locuteur plurilingue au sein d'un réseau social extrêmement divers, avec des configurations linguistiques extrêmement diverses, avec le chinois, l'anglais, le français, etc. Alors, les pratiques littéraciées se définissent comme toute instance au cours de laquelle la communication se construit dans plus de deux langues, dans et autour de l'écrit. Elles décrivent les ressources et les compétences constitutives des individus plurilingues en tant que locuteurs. Le terme plurilittéracié sous-tend aussi l'idée que les langues et formes littéraciées se développent en relation les unes aux autres et en relation à leur contexte d'émergence et qu'elles constituent un tout, un atout et une ressource d'apprentissage. Et là, je vous renverrai aux travaux de Hornberger, Skilton, Sylvester, mais aussi Moore et Molinier dans un ouvrage récent qui est accessible en ligne dans les cahiers de la CEDLE qui date de 2012. Et bien entendu, les travaux de Frankel et Ambodge de Dagenais et les travaux précurseurs de Street. Enfin, ces diverses compétences s'accompagnent de reconfigurations identitaires qui s'expriment au travers de l'usage que fait un locuteur de ces langues et au travers de ses discours sur celles-ci. Elles se révèlent de manière différente selon les choix des locuteurs à l'intérieur d'un ensemble de possibles, choix qui dépendent entre autres des trajectoires de vie individuelles, des catégories sociales et linguistiques à disposition et des interprétations que donne l'individu aux circonstances locales dans lesquelles il est amené à négocier la différence et à signaler ses affiliations. Donc je vous renvoie ici un texte que j'ai coécrit avec Claudine Brouilly en 2013. Et cela nous permet de considérer les identités plurilingues comme fluides et plurielles qui se reconfigurent en situation. Donc une entrée en matière qui nous amène à considérer que le plurilinguisme est une réalité de l'environnement social et éducatif aujourd'hui, que les situations d'enseignement-apprentissage sont complexes et qu'il nous faut développer des outils qui permettent de gérer la complexité. Donc une réflexion qui s'engage autour d'une double perspective, celle de l'effort de partir des acteurs eux-mêmes et de leur contexte d'usage et d'appropriation des langues, pour envisager des scénarisations curriculaires susceptibles de s'appuyer sur et développer le plurilinguisme à l'université. Donc la méthodologie et le corpus de notre travail avec mon collègue de SFU, Steve Marshall, nous travaillons avec des étudiants universitaires plurilingues dont au moins l'une des langues de l'éducation est une langue seconde. Donc nous travaillons avec eux par des entretiens. Nous leur demandons aussi des biographies langagières écrites ou orales, des journaux de bord de réflexion et d'apprentissage, des représentations graphiques. Les représentations graphiques sont très importantes pour nous, comme vous le verrez plus tard. Donc des représentations graphiques qui peuvent être des dessins ou bien des photographies. On s'intéresse aussi à leurs courriers, les échanges e-mails,
les productions écrites spontanées telles que les textos ou Facebook et les productions écrites universitaires, bien sûr. Et nous observons aussi les classes de littératie académique, donc en anglais FAL, Foundations of Academic Literacy, en français FLA, français langue académique. Et donc vous voyez que si on s'intéresse à ces différents types d'écrits, cela va poser d'emblée la question du rapport à comment on construit la relation à l'écrit. Alors, voici un premier exemple qui illustre les passages entre pratique ordinaire et universitaire, celui de Ja, étudiant coréen de français, toujours ce corpus Marshall Moore, qui nous dit « Je dirais que tous mes styles écrits sont formels, excepté pour l'anglais. Peut-être à cause du « en ligne », comme pour utiliser les réseaux et ce genre de trucs, je vais utiliser l'anglais. Tandis que le français, j'ai appris à l'école à l'écrire de manière formelle. La même chose avec le coréen. À l'école coréenne, on t'apprend à écrire de manière formelle. Le coréen formel plutôt que familier. Ou les formes sociales. Donc quand il dit les formes sociales, en fait, il veut dire les formes des réseaux sociaux. Ici, nous avons deux autres exemples qui nous permet d'illustrer les pratiques ordinaires très complexes des étudiants qui utilisent dans leurs conversations des SMS ou qui conversent sur Weibo, le Facebook chinois. Donc on voit des interactions qui mêlent diverses langues et écritures, des abréviations en anglais, par exemple « you » devient « u », des émoticônes pour rendre leurs écrits plus affectifs et attractifs. Un autre exemple, ici celui de la prise de notes, où dans une même classe, on voit des pratiques très différentes selon les cultures éducatives, mais aussi d'autres paramètres comme l'âge des étudiants. Donc on voit ici dans la même classe des étudiants qui vont se servir d'un ordinateur, d'un iPad, ou qui vont encore écrire, et de manière de plus en plus minoritaire, à l'encre, on voit la tache en attaché, comme on le fait assez normalement encore en France. Donc il va être important de s'intéresser aux habitus, aux déjà-là. Et en s'intéressant au contexte, nous disent Schiss et Sicurel, on fait entrer dans le champ de la didactique la pluralité des conditions de transmission des savoirs. On considère comme déterminant pour la connaissance didactique le poids des facteurs nationaux, linguistiques, ethniques, sociologiques et éducatifs. Donc on va donc s'intéresser au contexte, aux cultures éducatives et parmi ces choix, moi en particulier, je m'intéresse aux gestuels de l'écrit. Alors voilà un exemple, on ne va pas écouter la vidéo parce que ça nous prendrait trop de temps, mais comme vous le voyez, je m'intéresse en particulier aux gestuels qui accompagnent le passage d'une langue à l'autre et d'un système d'écriture à un autre dans les processus d'apprentissage. Ici, on voit l'exemple de Yann, un étudiant chinois qui fait son doctorat en français, qui explique pourquoi il préfère sur son téléphone utiliser les sinogrammes pour écrire en français ou en anglais, en utilisant les sons de manière syllabique. Nous sommes bien ici devant de nouvelles formes de littératie plurielle, de modes de communication, d'écriture, facilités par des outils technologiques eux-mêmes nouveaux. Donc, on va lire très rapidement ce qu'il dit, donc je le lis pour la traduction. Donc, j'écris un mot, un caractère chinois, et je choisis. Alors à droite, on voit une liste de sinogrammes se ressemblant. Donc je choisis celui qui correspond à mon écriture. Il y a d'autres choix qui ressemblent à mon écriture, mais ce n'est pas le même, ce n'est pas tout à fait le même. Donc le premier est mon écriture. Voilà, on choisit le mot, le premier est exact. Les trois autres ressemblent, mais ça veut dire autre chose. Pas du tout les mêmes mots, le même sens, les mêmes sons. Parfois, le téléphone ne reconnaît pas mon écriture parce qu'on fait à la main. Et on voit qu'il utilise le pouce droit pour tracer les sinogrammes sur le téléphone. On vous fait à la main, pas à la machine. Le deuxième exemple, il change de clavier et il me dit « Je vais utiliser un autre système pour taper ces deux mots. » Donc il allume un clavier avec des lettres alphabétiques, donc un clavier QWERTY. Là, on a le pinyin, le premier mot, on prononce « ling ». Le pinyin, c'est l'écriture alphabétique du chinois. Donc « ling », L-I-N-G. Ah, pardon, il fait une erreur en tapant. Donc, c'est pour ça qu'il dit « pardon ». Bon, tu vois, je préfère le système d'écriture parce que quand on utilise le système pinyin, ling, je ne maîtrise pas bien. Tu vois, j'ai tapé lingmg.
L-I-M-G. Tu vois, parce que N-M est très proche. Il montre sur le clavier que les deux lettres sont côte à côte. Donc, je préfère l'écriture, sinogramme, ling. Il recommence à taper. Et là, tu vois, il y a plusieurs choix avec la phonétique ling. Mais le ton est différent. Donc, des mots différents, même avec le même ton, il y a plusieurs choix de sinogramme. Donc, vous voyez que tout cela est très complexe. Et la question qui va se poser, c'est comment ces façons de faire influencent-elles les façons de lire et d'écrire et d'apprendre, notamment au contexte formel universitaire. Alors maintenant, on va regarder des observations de classe, donc des notes de terrain qui montrent les interactions entre les apprenants répartis ici en groupe de quatre tables dans la classe, donc toujours le corpus Marshall et Moore, avec à droite un exemple de transcription de ces interactions. Alors en italique, ce qu'ils lisent dans leur livre, et puis les traductions sont en crochet. Donc on ne va pas les lire, mais vous voyez juste l'alternance des langues dans les commentaires métalinguistiques que les étudiants font à propos de la tâche qu'ils ont à faire. Donc les étudiants sont en train d'écrire collaborativement des textes à présenter au reste de la classe sur des acétates. Les notes montrent que le groupe 1, que l'on voit représenté sur le graphique en haut à gauche, est composé de 3 étudiants chinois qui utilisent une combinaison de coréen, de chinois et d'anglais, avec des alternances chinois-anglais. Le groupe 2, en bas à gauche, composé de 3 autres étudiants chinois, fait des alternances de langues en chinois et coréen, ou entre les 3 langues. Les groupes 3 et 4 à droite, en revanche, n'utilisent que l'anglais pour compléter la tâche. Donc, les étudiants coréens dans la classe, dans les groupes 3 et 4, n'utilisent pas leur langue ici. Les autres utilisent la classe pour pratiquer leur coréen, pour lequel ils éprouvent de l'attrait. Puis un autre exemple, cette fois-ci d'un entretien de Amin, qui parle hindi, punjabi et anglais, qui est en deuxième année à l'université, qui nous dit « À un moment, je parle anglais, puis le moment d'après, tu parles à un ami et tu te mets à parler hindi. » Et le truc, c'est que parfois, c'est plus facile pour eux. Comme par exemple, si je veux les aider dans un cours, c'est bien plus facile pour moi de leur expliquer en hindi. Et ça, c'est super. C'est comme un atout de pouvoir avoir comme 2 langues différentes. Et tu peux aller vers ta communauté, c'est plus facile, tu peux leur expliquer. Donc on voit ici que le plurilinguisme est tout à fait vécu comme un atout d'apprentissage pour ces différents étudiants. Donc ici on remarque que même dans la prise de notes des observations de classe, notre assistante de recherche, Mélane, utilise plusieurs langues avec aussi l'utilisation de stickers digitaux en pop-in, donc des notes qui apparaissent quand on clique. Donc une utilisation multimodale de l'écrit à destination de plusieurs lecteurs potentiels. Elle écrit pour elle, mais elle écrit aussi pour nous. Et donc, il va falloir qu'elle utilise des manières de faire qui vont rendre la lecture plus facile pour les uns et les autres. Donc, ces différents exemples, ainsi que ceux que l'on voit maintenant, hein, que vous avez déjà vus, ils montrent des circulations complexes entre des productions textuelles, sociales et universitaires qui peuvent se produire de manière concurrente dans le même espace, la classe. Pour des buts, des interlocuteurs différents. Il montre aussi des circulations complexes à l'intérieur même de ces productions qui jouent avec différentes langues et différentes modalités visuelles, incluant des textes en alphabet latin, des sinogrammes, des émoticônes, des raccourcis typographiques, des textes tapés, des textes écrits à la main, des jeux de couleurs, des cercles, des flèches. Et nous voyons ici en œuvre des compétences plurilittéraciées, multimodales, au service de l'apprentissage. On voit par exemple à gauche, l'enjeu est d'apprendre la langue, enfin, l'enjeu est l'interaction, mais pas un détour est d'apprendre la langue. Sur le plan de droite, c'est plutôt apprendre des contenus. Je vais passer peut-être un peu vite parce que je vois que l'heure tourne. On va regarder un petit peu les identités plurilingues comme capital pluriculturel avec ces exemples. De Félix qui dit « Je dirais que ma langue maternelle, puisque quand j'étais petit, ma mère, elle est retournée tout de suite au travail. Alors, je vivais avec mes grands-parents. » Et ensuite, on lui demande « Est-ce que tes grands-parents sont italiens ?»« Oui, ils sont italiens et mon père aussi. Alors, quand j'étais jeune, je parlais l'italien jusqu'à 5 ans. Ensuite, je n'ai pas appris l'anglais jusqu'en 4e année. C'est plutôt l'anglais que je parle avec ma mère. Je me sens anglophone. Et c'est la seule raison. Mais je dirais que des fois, moi et ma mère, on fait des efforts pour continuer à parler en français. » Et pour moi, je parle français, mais ça ne me fait pas francophone. Je parle encore italien et anglais. Vous savez,
c'est ma génération. Je suis vraiment citoyen du monde. Et en fait, ce qui se passe là, c'est nous, on lui demande de s'identifier. Et en fait, quelque part, il refuse de s'identifier. Et il nous répond, bah, je suis ni anglophone, ni vraiment francophone. Enfin, des fois, je suis anglophone, mais je parle italien depuis que je suis petit. Et en fait, il se rebiffe et il finit par nous dire, je suis un citoyen du monde. Donc, j'ai une identité bien plus fluide que vous essayez de me demander. Et puis, l'autre exemple, toujours Jal, notre ami coréen, qui dit que quand il change de langue, il se sent très différent. Et que finalement, il est plus confortable et probablement le vrai moi quand je parle en anglais ou quand j'écris en anglais. Le coréen, qui est supposé être ma première langue, finalement, c'est la langue dans laquelle je me sens le moins confortable. Donc, en termes de scénarisation curriculaire, on a une vision qui se construit sur l'économie linguistique et la transférabilité, mais aussi, j'aimerais insister sur cet aspect-là, en termes de continuité des systèmes dans les mises en relation entre les langues. Donc, on va travailler en particulier sur la mobilité, en lien avec la plurilittératie, la mobilité qu'on va considérer se construit comme un cheminement actif dans lequel le sujet écrivant, dessinant, se photographiant associe son déplacement palpable dans l'espace physique à un déplacement plus impalpable, celui qu'il effectue sur le plan relationnel, socio-affectif, socio-cognitif, symbolique, épistémique et finalement existentiel. Et ce déplacement s'effectue via une médiation éducative dans laquelle les dimensions langagières et graphiques s'avèrent complémentaires. Et là, je vous renvoie au travail notamment de Muriel Molinier. Donc cela nous invite à réfléchir des continua entre les différents contextes et les conditions du développement langagier, familial, universitaire, sociétal, ces différentes formes scripturales et graphiques, depuis les premiers apprentissages jusqu'aux pratiques les plus élaborées, dans ou une plusieurs langues, et selon diverses modalités. La petite fille qu'on voit sur la droite, j'ai pris la photo à Tokyo et on voit qu'elle écrit de manière verticale avec le doigt et qu'il y a de l'écriture et du dessin et du symbolique. Donc d'autres exemples ici, cette fois-ci avec nos étudiants, qui montrent des formes que peut prendre ce travail à l'université. Ici, on travaille avec des étudiants maîtres qui se destinent à devenir des enseignants de français au Canada et qu'on encourage à réfléchir à leur propre cheminement d'apprentissage des langues par le recours aux biographies langagières et aux journaux de bord, mais aussi par le biais du dessin ou de la photographie. Ici, l'exemple de Christian, étudiant roumain à Vancouver, qui dit « Ça m'a aidé à réfléchir, donc de produire ce dessin sur sa trajectoire plurilingue, comme futur enseignant et en tant que personne bilingue. En fait, moi, je suis roumain, je suis trilingue, je parle roumain à la maison. En plus, j'enseigne l'allemand à mon garçon. » Il y a un autre exemple, celui d'Éric, étudiant français à Vancouver, qu'on voit en train de dessiner et qui dit dans son journal de bord « La connaissance de soi passe par la connaissance de son prochain. C'est ce qui a motivé aussi mon départ pour Vancouver, où la diversité culturelle est exemplaire et où la confrontation avec la différence devrait m'amener à une meilleure connaissance de moi-même et donc à une évolution dans mon parcours d'apprenant et de futur enseignant. » Le prochain exemple montre des travaux d'étudiants qui sont aussi basés sur des biographies langagières de personnes plurilingues dans le cadre d'un travail de master en didactique de français langue étrangère. L'enjeu ici est de produire un écrit académique construit sur une recherche de terrain avec entretien et transcription d'entretien et avec une composante visuelle. Ici, on a un collage produit par la participante interviewée, S, et le travail est celui d'une étudiante qui s'appelle Lynn Saint-Louis. Alors voilà ici un extrait du produit final, l'écrit académique, qui est présenté, comme vous le voyez, selon les normes de l'université, avec le recours à des citations d'auteurs suivant des normes de présentation en vigueur dans le milieu de la recherche, qui inclut une transcription d'entretien, des conventions de transcription, une bibliographie que je n'ai pas mise ici, mais qui suit les conventions APA de l'université, et le tout écrit en français, tandis que les entretiens peuvent se dérouler dans n'importe quelle langue, parfois dans plusieurs. Alors, on n'aura pas le temps de s'attarder sur les différents dessins, des extraits de l'entretien. Donc, la participante décrit ce qu'elle a voulu représenter dans les collages. Mais vous voyez que ce qui est intéressant peut-être, c'est juste de regarder comment Lynn
l'a reproduit en disant « L'ouverture sur le monde, cette image illustre le bénéfice d'apprendre plusieurs langues étant jeune. » Et l'interculturel, cette image illustre que le plurilinguisme, que le plurilinguisme crée des amitiés et des rencontres interculturelles. Un autre exemple, le clin d'œil à la littérature, le monde, cette image illustre les possibilités d'apprentissage offertes par la littérature et les médias. Et la figure 5, que les multitâches, le plurilingue doit accomplir des multitâches complexes. Cette image illustre que les communications plurilingues sollicitent plusieurs zones du cerveau simultanément. Et enfin, la figure 6, les voyages. Cette image illustre les communications plurilingues mondiales avec diverses communautés linguistiques. Et la figure 7, les langues familiales. Cette image illustre qu'une famille peut utiliser différentes langues pour communiquer ensemble. Et on regarde un extrait de l'entretien. En dessous ici, un peu dans la même idée, ça ressemble, ça semble être une famille. Pas qu'une femme, un petit garçon puis un homme. La femme a dit « As-tu beaucoup de travail ce matin ?» Le petit garçon dit « A lot ». Mais en même temps, son père lui demande, ou l'autre adulte, « Tienes muchos amigos en el colegio ?» Donc tu as plusieurs amis au collège. Pas qu'il dit « Oui », pas qu'il répond « A lot » pour les deux. Donc ils communiquent dans différentes langues, bah, différentes langues ensemble. Et c'est vraiment un mélange de la communication sur l'autre côté, mais l'important, c'est qu'on puisse communiquer. Ici, la figure 8, choisir la langue. Cette image illustre les choix, les options et les possibilités multiples offertes aux plurilingues. Et la figure 9, le partage. Le partage des connaissances et des savoirs des interlocuteurs plurilingues. On va terminer sur ce dernier extrait, qui montre ici les appuis sur les langues, les ponts et les passages pour apprendre. Une réflexion, une fois encore accompagnée d'une représentation visuelle, ici une peinture à l'huile, le participant étant un artiste peintre, s'appuie donc sur son expertise professionnelle et son expérience de mobilité pour exprimer comment il se représente l'apprentissage d'une langue nouvelle, ici pour lui le japonais. C'est un travail qui est recueilli par une étudiante qui s'appelle Sonia Jolicoeur. Donc on va le lire rapidement. Au cours de l'entretien, Billy a mentionné qu'il voulait apprendre le japonais pour pouvoir mieux comprendre les samouraïs. Évidemment, lorsque je lui ai demandé de se représenter en train d'apprendre une autre langue, il s'est dessiné apprenant le japonais. La langue japonaise, pour le moment, comme il ne connaît pas son fonctionnement, est représentée par la grande bande noire au bas du dessin. Comme il connaît un peu les cultures japonaises ainsi que quelques mots, il les a représentées dans les deux taches blanches. Billy se propose d'aller au Japon pour apprendre cette langue. Il se dit fasciné par certains traits culturels du Japon, comme les samouraïs, les geishas, la cérémonie du thé et quelques artistes peintres. L'autre partie du dessin, le jaune, le rouge et le vert, qui sont des sapins de Noël, représentent sa confiance. Après tout, il a appris d'autres langues par le passé, le punjabi, l'ourdou, l'hindi, le perse, l'arabe, l'anglais, le français. C'est donc avec confiance qu'il envisage d'apprendre cette langue, même si le japonais est très différent des langues qu'il parle. D'ailleurs, c'est le fait qu'il a été capable d'apprendre le français, représenté par les sapins de Noël, qui lui confirme qu'il pourra apprendre cette langue. Billy se propose d'enseigner l'art au japonais pour apprendre cette langue. Le haut du dessin, la bande pourpre, est la représentation que Billy se fait du Japon. Il explique que cette couleur est celle du ciel japonais à la saison des cerises. Billy ressent le besoin d'être au Japon pour apprendre le japonais, malgré qu'il n'ait pas eu besoin d'aller dans un pays arabe pour apprendre l'arabe. Lorsque je lui en fais la remarque, Billy rétorque en riant que Montréal est devenu un pays arabe parce qu'il y a beaucoup d'arabes dans cette ville, où il a pu aussi apprendre cette langue en les fréquentant. Alors, pour les traductrices, attention, parce que je vais sauter une diapositive. Je ne fais pas celle-ci, je vais à celle-ci. Juste pour conclure, qu'on voit que la compétence plurilingue est une compétence dynamique, évolutive, malléable, dans le temps et dans l'espace, et qu'elle s'enrichit de nouvelles composantes, en complète ou en transforme certaines autres. Et que cette dynamique de développement plurilingue fait partie d'une écologie des usages, est une forme parfois en creux de capital selon une perspective de l'économie des biens symboliques. La pluralité des compétences et des identités est donc une forme ordinaire de l'expérience plurilingue et pluriculturelle. Et donc, en conclusion, on va se souvenir que toutes les pratiques sociales, orales et littéraciées sont entrelacées et sont une ressource dans l'appropriation langagière. Et que le contexte universitaire, comme un espace de contraintes, est aussi un espace de possibles. Et que l'enjeu didactique pour nous didacticiens est de naviguer ces différents espaces,
c'est-à-dire d'ouvrir la possibilité de conscientiser et d'exprimer des identités plurielles, de s'appuyer sur des pratiques plurilittéraciées et plurilingues pour développer une compétence académique dans la langue universitaire. Je vous remercie.